J'en suis content. Dès que tu es prêt, tu me dis. Alors, c'est bon, je viens de lancer, je t'annonce que vu l'heure, il n'y aura pas Bibille. Si tu veux rester en vocale exclusive avec moi, c'est comme tu le souhaites. Je Ah non, t'annonce mais que je enfin. pars en Afrique. Donc tu devines que je joue à... Far Cry 2. Exactement, c'est ça. Très bien, je continue ma partie. D'accord. Donc là, pour vous, comme je suis sur PC, je vous mets en écran noir, c'est plus pratique le temps du raid. Hop. Ah, tant pis. Ah, moi qui voulais battre Elo sur le record, bah, ce sera une autre fois. Oui, c'est pas grave, je vais me faire une petite... Pour une Alors, fois que je suis présent un week-end et que je fais pas les bibis. En plus, je crois savoir que je suis hors saison, donc j'aurai même pas de points fidélité. Ha ha! donc le prochain live, nous verrons bien, peut-être lundi, ce sera probablement sur du Crash Bandicoot. Vous verrez demain, pour ceux qui sont dans le Discord, vous verrez le planning. Donc merci de votre fidélité, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et je vous remercie encore, même si la chaîne, le jeu, ça m'a donné envie de l'acheter. Donc merci à lui de l'avoir Bien. fait. C'était mon ancien modérateur qui dédicace. Ah, j'allais te l'envoyer, mais j'avais oublié qu'il y avait un compte à rebours. Donc on le fait. Ah. Et moi, je me 2, souvenais 1. pas que dans Far Cry 2, j'étais à nouvelle fois dans une situation épineuse. Je suis en pleine guérilla, donc je suis traqué. Merci pour le relais de chaîne, mon cher Funfan. Je pense. Vache, c'est dur. Je vais à nouveau te mettre un message. Ah, c'est bien. Heureux tout le monde, soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue. Bon, merci pour le raid, Fanfan, et bienvenue à ta communauté. Bah oui, merci. C'est Yo-Yo Jospin là que vous avez entendu. C'est pas moi qui remercie. Je veux pas me remercier, mon truc que ça. Oui, le baron, j'espère que t'es pas trop déçu. Je crois que t'aimes bien les bibilles. J'espère que t'es pas trop déçu par mon programme improvisé. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, c'est bon, c'est coupé. C'est pas très grave, je ferai tout ce qu'il y a à faire comme le montage. Et j'ai pas mal de montage à faire ce week-end. Hein. Hein, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, le jeu du renard, celui-là, ça me fait 4 vidéos sur la chaîne qui vont tomber. Ah, t'adores Far Cry 2? Bon bah c'est cool. Tu me rassures le baron. Oh, puis ça change un peu. Oui! Oh, c'est ça que j'ai oublié de regarder, Dragon Sky. C'est de voir ton épisode précédent. Ah, j'ai pas eu le temps et j'ai complètement zappé. Ah mince, il faudrait bah, que je regarde. Oh là là, oui. Alors que je sais pas comment je vais faire. La semaine qui va arriver pour moi, elle va être terrible. C'est ça que je voulais faire, que j'ai complètement zappé, c'était de voir Tardive de Far Cry 3. Ah! Oui, merci de me l'avoir appelé, Dragon Sky. Ah, quelqu'un m'appelle. Dès que tu récupères le colis, retourne au Ah. camion. Je précise. J'ai récupéré le colis de la Aussi, Nyx. il a dit qu'il adore Far Cry 2. Ah bah c'est bien. Surtout que j'ai un comité d'accueil. Enfin, plutôt de sortie maintenant, vu ma position. Voilà, c'est la première fois dans nos histoires de live commentées qu'on fait un jeu en... Oui, non mais c'est très bien. Attends, je vais mettre le feu pour les mettre en panique. Oui, c'est vrai qu'on va rentrer en septembre, c'est très bien. Ouais. Et nous a rien, deux jeux qui ont été finis, hein. Le petit jeu du renard, il a été fini, celui-là, il a été fini, c'est pas... Thank you.
peu parce que j'ai regardé le jeu du renard. Tu dois avoir la platine. Toi, si on fera un live plus tard, faut essayer de l'avoir. Mais toi, j'essaierai de l'avoir dans mon temps. Bon, le gars était en état de choc là, il n'y a pas cru. Mais c'était bien, ouais. Alors, il dit sur YouTube, la rediffusion sera pas avant le 17 avril 2024. Bah, au moins, c'est pas perdu. Si je la vois pas sur Twitch dans la quinzaine, là, déclarée habituelle, conventionnelle, on va dire. Je suis ravi que tu archives sur ta chaîne YouTube. T'en fais pas. C'est pas grave si c'est à Péta ou Schnell, Dragon Sky. C'est fait que ce soit pas perdu qui me rassure. Au pire, Dragon Sky, tu la mets en temps fort sur Twitch le reste de ta vie. Hein. Non, il va pas le faire pour moi. Non, non, non. Techniquement, c'est vrai qu'il pourrait le faire, mais non, faut pas le faire pour moi. Arrêtez. Encore, t'aurais plusieurs demandes motivées. Ça justifierait de faire la manœuvre, mais pour moi, non, arrêtez. Oui, mais Dragon Sky, quand tu passes, et ça, c'est valable pour tout le monde. N'importe quel live, tu les mets en temps fort, les temps forts restent toujours à vue tant que tu les supprimes pas. Oula, arrêtez ce. Ah, c'est 7 jours chez quoi? Oh, ah oui, c'est parce que t'es pas affilié, c'est ça? Mais non. Bon, c'est bizarre comme histoire, Dragon Sky, j'arrive plus à suivre. Cette physique d'étonnant. Ah, je vais pas pouvoir me barrer avec un véhicule dans cet état. Bon, je vais arrêter d'être accroupi parce que j'ai l'air ridicule. Je vais aller chercher la trousse à pharmacie qui était dans le bâtiment. Là, tout le monde est mort, je suis tranquille, c'est bon, c'est sûr. Incroyable, mais je l'ai tous eu. Je sais pas combien de mecs j'ai tué, mais il y en a un paquet. Hein. La vache, à mon avis, tous les corps sont pas là, mais... Rien que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh là là, c'est épouvantable le carnage. Là, il y en a un huitième. Vous de Dieu. Bon, bref. Il faut que je me barre avec le dit camion là-bas, c'est ça? Non, il faut que je donne le colis. Alors, c'est quoi exactement l'intitulé? Soit aller à la clinique dentaire du village et réparer le camion, soit m'en tenir là et détruire les bouteilles de protoxyde d'azote sur le camion. Non, je vais récupérer le camion. Je vais faire ce que m'a dit la miss. Elle en fera un meilleur usage, lui dit camion. Oui, bah, je vais prendre... Ce qui est sympa, c'est avoir le choix du véhicule. Bon, là, j'ai pas de mitraillette, mais j'ai le confort avec cette Jeep de là. Ah, c'est pas désagréable. Donc, dans tous les cas, je vais là-bas en face. Ils sont chiants avec leur barrage routier. Ah bah tiens, je savais même pas que je pouvais péter les parpaings. Je viens d'apprendre un truc. Oh merde! Je pensais couper, mais non, il y a une étendue d'eau en face. Non, faut que je passe par le pont là. Oulala! Je peux pas faire du hors-piste. Oh, c'est pas vrai. Oh. Incroyable, mais je trouve le moyen d'endommager le véhicule avec les quelques cabrioles que je viens de faire en piste. Je mets en cours de temps fort la rediff sur Twitch. Oh, mais fallait pas. T'es trop gentil, Dragon Sky, merci. Pas à faire atelier, franchement, ça va pas, non?
Ah si, merde, ils m'ont eu. Je pensais que son système de tir était trop haut, mais non. Quand je me recule, en fait, j'étais à portée. Merde, homme. J'espère que je les ai tous eu, mais je continue à pied. Ah, oh là là, même la barrière là, il y a des parties en lévitation, là il s'est passé un truc, le jeu était pas prêt. Wow, efficace, ça c'est de la grenade. Wood of you. Ah, attends, il y a du monde là ou... Non, je pense pas qu'il y ait de menace. Ça rôtit bien derrière. Oh là, c'est horrible. Bon, il y a quand même deux réservoirs d'essence. Hein. Là, on est d'accord, il n'y a personne. Ah, un truc d'assurance à la noix. Essayer de me faire discret. Merde, il y a un sniper. Waouh, il y a la balle qui sifflait. De quoi il est là? Ah oui, c'est lui. Salopard. Oh, c'est pas vrai. Et en plus j'ai le bug d'affichage quitter la zone sans encombre. Ça sent mauvais, il faut aller aider. Non, faut rester ici. Alors j'ose pas mettre le feu, bien que c'est tentant dans les herbes sèches, parce que je me barre avec le camion. Ouais, pas que le camion. Ce serait un gâtard. Cool. Ok, merci Dragon Sky. Oh les salopards, ils ont réussi à m'aligner. Ah, gentil tout plein, merci. Contre qui ils se battent? Je crois que j'ai vu 4 types. Par là, ils ont lancé une attaque. C'est sport.
Il y en a encore. J'ai regardé un peu d'autres parties sur YouTube. De Fox. Ouais, de Fox. Et il y a eu des personnes qui ont eu des choses un peu différentes, effectivement, même des protagonistes que je n'ai pas croisés. Donc j'imagine les doubleurs, on a dû leur dire, ah ben vous avez doublé une partie, mais il faut doubler la deuxième. Ouais. Ouais, il y a un gros boulot de doublage. Ils ont dû passer pas mal de temps. Surtout qu'à cette époque-là, c'est pas comme... Alors, c'est toujours difficile de faire du doublage. Mais pour eux, aujourd'hui, du moins dans les grosses productions, c'est un peu plus simple. Mais à l'époque, quand ils faisaient des doublages, il y avait le directeur artistique qui savait un peu ce qui se passe. Et selon comment était le directeur artistique, il leur donnait la phrase dans le contexte. Parce que eux, ils enregistrent. Quand ils enregistraient, c'est juste dans une seule pièce. Ils voyaient pas le jeu, rien du tout. Et des bouts comme ça, hein. Et juste on leur disait, ils avaient des cartons, un peu comme s'ils étaient dans un micro radio dans une cabine, et on leur donne des cartons et avec la phrase qu'ils doivent dire, et en disant, il y a juste marqué tu dois être content, tu dois être triste, tu dois être énervé, Donc j'imagine que pour ce jeu, le doubleur principal il va dire, ah, on commence plusieurs fois. Et surtout que en plus pour eux ça devait être nouveau pour les doubleurs parce que le jeu vidéo il est doublé que depuis la fin des années 1980 à peu près. Je crois même le premier jeu vidéo du moins qui a eu un doublage français, je crois c'est le manoir de Morteviel, il me semble. Ah oui, je crois que tu dis vrai, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié avec ma frangine. On était euphorique à l'idée quand il était sorti et qu'on avait eu la chance de l'avoir. Mais alors je me pose la question, tu sais quoi, le doublage, soit effectivement il a été doublé, mais ils ont essayé une autre version, si je dis pas de bêtises, à vérifier, avec un premier, comment dire, une technologie de voix de synthèse embryonnaire. Mais c'était énorme, à l'époque c'était génial ce jeu. Il me semble que c'est le premier jeu doublé, donc si je vois sur internet, il date de 86-87, le doublage dans le JV, ça je veux dire, quand il est sorti Spy Fox, 1997, alors Dragon Sky qui fait un, je vais le lire, qui fait un pavé, nouveauté sur YouTube en bêta, pardon, développe la popularité de votre chaîne, engagée en faisant la promotion de vos vidéos sur YouTube. En lançant une campagne de promotion, vous attirerez de nouveaux spectateurs, ainsi augmenter le nombre de vos abonnés, de j'aime et d'autres métriques d'engagement. Ouais, c'est ça. La durée de visionnage et les abonnements issus d'une publicité ne sont pas pris en compte pour déterminer l'éligibilité au programme partenaire YouTube. Donc, ton Discord est en retard, c'est normal, le sage de Nancy. Ah, oui, les notifications, effectivement, du sage mettent un petit moment. Oui, tu fais bien, en fait, les notifications, si tu veux, le baron. Qu'elle soit Discord ou autre, en général, j'ai mis un décalage d'une minute entre le moment l'événement qui se produit et l'annonce. Il y a une minute, pourquoi ? Parce que je suis amateur de jeux de voitures et de pilotage. Oui, alors il peut y avoir différents décalages. Et c'est volontaire, en fait. Moi, ça me permet, dans un jeu qui demande des réflexes ou de la concentration comme le pilotage, de pas me laisser surprendre et de complètement gâcher ma prestation, si je puis dire ainsi. Ma performance, plutôt, d'un point de vue sportif. Oui. Aerostar a annoncé une nouvelle qui devrait, te conforter dans ce que tu penses. Alors, il a dit... Fin des lives d'Edel Ring pour des raisons suivantes. Le jeu ne me plaît pas. Problème avec la précision du gameplay. Certaines roulades ne passent pas. Et commu pas vraiment agréable pour une certaine partie. Au revoir.
Elden Ring sans regret. Mmh. Ah, en ce moment, Aero, il fait des jeux qui ne nous plaisent pas, comme le Aero 6. Ouais, il s'est engagé à les faire pour différentes raisons, parfois par honnêteté intellectuelle, parfois parce qu'il s'était engagé envers certains à les faire pour leur faire plaisir. À une époque, il avait une option sur sa chaîne, je fais le jeu de votre choix. Et il a vite arrêté parce qu'il y a eu tellement de demandes que dans le calendrier, il y a tellement de jeux à faire. Alors ce seraient des jeux qui se font comme tu viens de faire là en 4 heures, ça va, mais c'est des jeux qui demandent la quête principale, demandent de 80 heures de jeu. Voilà. Bon, mince, il y a l'hystérie qui fait effet. Ouais, je me barre avec le petit camion, il n'y a rien d'autre d'intéressant. À part que j'ai zappé la trousse à pharmacie, mince, elle était où? Donc j'ai encore plus qu'il a encore qu'il déteste Elden Ring plus que Resident Evil 6. Moi je lui demande, mais... Ou peut-être c'est parce qu'il est avec moi et que ça lui donne envie de continuer, d'aller jusqu'au bout. Je sais pas. Mais je pense que s'il avait été en solo, il aurait déjà arrêté Resident Evil 6. Bon, après, Aero, si tu nous écoutes, hein, il n'y a rien de secret. Parce que comme il était chez moi et peut-être qu'il a suivi le raid. Ouais, bah... Merde! J'avais pas vu que le camion avait été endommagé. Et sinon, puisque je n'ai pas pu être présent pour des raisons personnelles, le live de ce matin s'est bien passé, les débuts d'après-midi? Bah, le matin avec Petit Seb Live, on était peinard pépouze et on a bien rigolé. Surtout sur la fin, là, on avait des... Attends, pardon, excuse-moi, il y a une narration. Ton camion est en route? Parfait. Je suis au garage, là. À bientôt. Sur la fin, là, il y a eu un beau clip qui a été fait, qui est rigolo. Je l'ai publié dans mon Discord pour ceux qui veulent le voir. Je l'ai fait immédiatement à midi parce que c'est vrai que c'était trop drôle. Bref. Ensuite, le début d'après-midi avec Arc Fatalis. Alors, moi, à jouer, c'est jouissif. Moi, j'avais un peu honte quand je t'ai fait relais de chaîne sur mon contenu à moi, là, sur Arc Fatalis en début d'après-midi, mais ça fait partie du jeu. J'ai commencé à tourner en rond. C'est-à-dire à buter sur les énigmes. Donc, je m'en veux un peu, mais ça fait partie du jeu. Faut dire que j'étais un peu mou. Merde, il y a un diamant dans le coin. En même temps, j'aurais dû m'en buter. Ok, il est tout proche. Attendez, il y a du diamant. C'est pas là où il y a les poulets quand même. C'est pas les cartons. Non, les cartons ne dissimulent rien. Là, il y a un panier à linge. Ah oui. D'accord. Ok. Bon. Un petit diamant, ça se refuse pas. Moi, je m'attendais à ce que ce soit planqué dans une casse-bas, mais non. Donc, il faut que j'aille avec le camion à Pétaouchnock. Oh, c'est pas si loin que ça, faut pas déconner. Des gens qui disent n'importe quoi. Il y a un homme qui a dit que Elon Musk vaut 3 fois Albert Einstein. N'importe quoi.
Oh merde, ils vont bouger le camion. Hasta la vista, baby. Oh joli. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il me danse la polka ou quoi? Quoi? C'est quoi ce bug? Comment il s'est téléporté le mec? Hallucinant! Alors ça, pour un bug original, c'en était un magnifique. Ok, le gars il s'est téléporté, mais façon flash. Tchou! Eh, le réalisme! Vous voyez les rondins de bois sur la route? Trop bien! Comment que ça a giclé avec ma grenade? Oh merde, il y a du monde là-bas. Oula, il y a beaucoup de monde ici. Ce strike. Oh, je suis là, l'autre ma boule. Tiens, toi, t'auras droit à une grenade. Merde, il est trop loin. Mais il va dans les flammes, cet abruti, ou c'est moi? Ah, c'était mon fusil hypodermique. Merde, je me suis trompé de flingue. Je pensais que j'avais pris le gros de snipe. Je me suis trompé. Eh bien. Ah, je suis content de cette scène. C'est propre. Et comme quoi, je vous l'avais dit au début du jeu, hein. Attendre la fin avec un bon armement et tout faire toutes les missions secondaires pour développer toutes les armes. La fin, elle est jouissive. Ah, cette action. Merde, il faut que je passe là où il y a toutes les carcasses et que ça enflamme. Ça, par contre, c'est plus gênant. J'espère que je peux couper avec le camion. Non, ça passe pas. Non, je vais bloquer le camion. Merde. Oh non, vous allez voir que je vais être coincé par les carcasses. Faut pas les pousser, je vais endommager le camion. Je peux faire du forcing. Je suis surpris que mon camion ne tombe pas déjà. Ou j'y vais bourrin avec de l'élan? Non. Ah! Ah, ça y est, ça commence à. Ah, merde! Boum. Vous allez voir que je vais être obligé d'y aller bourrin. Non, mais quel scénario à la noix. Déjà, lui avec ça. J'ai déplacé la bagnole encore opérationnelle là du petit qui est arrivé, là, la petite bagnole de chiotte, le pot de yaourt, allez hop. Oh, hop, celle-là, elle dégage là. Hop, terminé, on n'en parle plus. J'aimerais pouvoir manœuvrer avec le camion, que je vais devoir réparer du coup. Ah oui, c'est un pare-choc, j'ai eu peur, je dis c'est pas possible, il y en a qui avait un lance-roquette ou quoi? Ibi, eh ben je suis content de vous proposer un samedi soir spécial action. Vous dites vous. Je ne veux pas rester vu qu'il n'y a pas de Fort Boyard. Oui, c'est sympa en plus, concours de circonstances. La saison est finie ou il y a encore un épisode qui sera la semaine prochaine? Il y a un épisode samedi prochain, là. C'est parce que. Il y a les JO d'athlétisme où je ne sais pas quoi, un truc comme ça, et du coup, il n'y a pas de. D'ailleurs, quand il y aura les. D'ailleurs, je me demande comment va être la saison de 2024, est-ce qu'elle va être écourtée ou programmée plus tôt, parce qu'avec les JO olympiques à Paris, à mon avis, D'ailleurs, déjà faire un point, même si j'avais déjà un peu fait des. Mais là,
c'est pas un épisode qui va changer, mais... Non, cette année, par rapport à l'année dernière, franchement, oui, j'ai trouvé le rythme bien meilleur. Les candidats, ils en faisaient, à part 2-3 déceptions. Mais comme l'année dernière, 3, il y a des chances que je le ferai avec Josh. C'est même après 5 ou 6. Ah, d'accord, bah, pourquoi pas. Donc, pour la saison, ouais, ça a été mieux, les candidats étaient mieux, à part vraiment, il y a deux candidats qui sont vraiment insupportables. Un dans une séquence donnée parce qu'il avait des araignées, mais c'est tout. Et un autre vraiment qui faisait que tester, qui dit oh non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Mais il est venu parce que ça passe à la télé, mais sinon, aucun suivage, rien. Les atouts, ça c'est génial, les atouts du Perforas qui étaient pris l'année dernière, que j'avais pas trop aimé là cette année, c'était bien. Ouais. Parce que les atouts, ça permet d'avoir, comment dire, chaque émission, on va pas dire, c'est un peu comme Spy Fox, c'est-à-dire il y a des variantes qui sont uniques à chaque émission, donc ça permet un peu de renouveler l'expérience. Lors de la dernière, c'était une spéciale revenante, donc on avait quelques épreuves qui sont revenues pour en ce moment, qui doivent être critiquées, ainsi que des anciens personnages qui sont revenus comme la Beau et Mienne. On avait pu revenir depuis la fin de l'ère cristallique. À mon avis, il y a plein de gens qui me voient, on aimerait bien que le perso revienne tout le temps. À mon avis, si elle devait revenir, ça va être un peu comme les autres, on va un peu lui changer, même si il n'y avait rien, mais bon, on est dans un monde où les féministes, elles diraient qu'elle était déshabillée, mais bon, par rapport à ce qu'on a dans Fort Boyard, elle était un peu plus usée. Enfin, elle était comme habillée comme dans l'ancien temps. Ouais. Très jolie femme d'ailleurs. Il s'appelle et donc à mon avis avec eux ça leur plairait pas, et puis je pense que ça fait trop cliché pour la, parce que c'est un peu plus les communautés du voyage, donc je pense qu'eux râleraient aussi à dire que c'est cliché. Mais bon, ça a été sympa, il y avait quel animal peut lire l'avenir, je ne sais pas, le baron, je ne sais pas, le castor, le rat. Donc c'était sympa d'avoir les revenants, il y avait quelques épreuves qu'on n'avait pas revues. La poule de cristal. Ah, ça n'existe pas. Aïe aïe aïe. Donc, et il y avait d'autres. Bon, il y a eu quelques sales coups qui ont fait la production, comme par exemple lors de la première, tu avais comment ça s'appelle ? Des mauvais boyards, parce qu'ils avaient des boyards jaunes et des boyards rouges, et il fallait pas les mettre. Alors leur boyard était multiplié par deux, mais s'ils mettaient un boyard rouge, ils perdaient une bonne partie de leur somme, la moitié ou un truc comme ça. Donc du coup tu les vois devant la salle du trésor en train de trier les boyards. C'était y a eu aussi un truc qui a été assez énervant, je crois que c'était l'avant-dernière émission. Même pas, et c'est la première fois que je vois ça, les candidats ne prennent même pas le temps d'ouvrir les indices, je sais plus, avec 3 et dans un mot assez simple, 2 et non 3, et la nana elle fait directement je me sacrifie. Elle essaye même pas d'attendre qu'ils, d'habitude ils essayent un peu de découvrir, non. Ouais. Ça a montré un peu l'enthousiasme, et il y avait des trucs comme ça. Dans les atouts, il y avait aussi un truc marrant qui ont été fait. Les deux passes, ils ont changé leur place. Donc tu avais Passe-temps qui passait, Passe-Miraille qui passait son temps, du coup à montrer les clés et Passe-partout qui se déguisait et tout, c'était très drôle. Donc ils avaient changé un peu leur rôle. Ça a dû leur faire bizarre quand ça fait 30 ans pour l'un que ça fait qu'ils faisaient toujours les mêmes choses et l'autre une vingtaine d'années. La deuxième partie de soirée est toujours aussi sympa. Il y a un moment, c'est même les deux passes qui sont passées pour raconter des anecdotes. Il y a un moment, il y a un producteur qui est passé, on en apprend un petit peu plus. Le concepteur des épreuves.
Donc vraiment, ça c'était sympa. La deuxième partie de soirée est vraiment très intéressante. Willy dans un rôle d'animateur, ça lui va très bien. Il reste dans son rôle de méchant. Sur la deuxième partie, le fait qu'il n'y a pas Mine, ça manque pas. Mais sinon, il est toujours aussi impeccable au niveau de son animation. Donc, assez positif. Quelques nouvelles épreuves, comme le flipper. Ils ont supprimé l'épreuve du casino, qui est un peu relou par moment. À la place, ils ont rajouté des épreuves. Donc moi, ce qu'il faudrait l'année prochaine, alors peut-être qu'ils ne pourront pas le faire, ça va être compliqué avec les JO, c'est que les personnages ils aient une vraie évolution, quoi. Ceux qui parlent et compagnie. Parce que, je veux dire, tu prends Delphine Vestuser, rouge, blanche, ça fait quelques années qu'il n'y a pas de vraie évolution. Alors oui, il y a eu la cage, machin, mais si on prend vraiment pas les épreuves, mais même les épreuves qu'ils font dans le jugement, c'est vraiment toujours un genre. Alors, peut-être qu'ils lui font un troisième personnage, mais il faudrait que ça bouge un petit peu parce que. Cyril Gosbo aussi, il faudrait vraiment que ça bouge parce que le débarras, c'est. Ça fait un peu copier-coller en plus des épreuves prisonniers de Willy, de Willy Maton. C'est le même principe d'une personne qui est suspendue à une chaise, on lui pose des questions. Alors que dans Willy Maton, il ne doit pas bouger pour bien faire la photo. Mmh. Et Gosbo, il envoie dans la flotte, point où, point où. Donc lui, ça serait bien qu'il ait une vraie évolution parce que là, Gosbo, ça tombe vraiment en bon. Ah, oui. C'est quand même comme son interprète, hein, mais je trouve qu'il est bien, mais il faudrait une nouveauté. Et puis, il y a vraiment une nouveauté. Cette année, il a été un peu stable. Mais j'aimerais bien que les personnages de Delphine et Gosbo, bah, ils font un nouveau truc, quoi. Mmh. Mais qu'ils arrivent à se recycler. Vraiment, ils sont en train d'être toujours dans le même registre. Et j'aimerais bien un nouveau personnage, mais muet, parce que moi, je préfère qu'il y ait des personnages. Putain, c'est quoi, ça? Pour l'instant, on fait revenir que des anciens, mais... Ouais. Comme la famille dit, c'est toujours... une chose de sous-tout, oh, merde. Oh. Ouais, les maîtres du temps, oui. Même le chasseur a été repris de l'année dernière, celui qui cherche des épreuves... fait des épreuves pour traiter des niveaux. Donc on va dire que si je dois conclure cette saison, elle est meilleure que celle de l'année dernière, mais c'est juste du 1.5 par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas de grosses nouveautés, que ce soit sur les personnages, les atouts. Alors il y a eu des nouveaux atouts, il y a eu quelques atouts qui ont été récupérés, mais il n'y a pas eu une nouveauté vraiment, quelque chose de transcendant. Il y a eu juste de l'amélioration par rapport à l'année dernière. C'est une recette qui marche bien, donc... Non, je ne sais pas si le niveau des audiences est pareil, mais... Ouais. Il tente quelque chose. La blessure est moche. Pas simplement que après les épreuves. Aussi, ce que tu peux rappeler par rapport à Fort Boyard, Fun Fan, c'est Cyril Ferraud qui était gamin, qui était fan, qui avait écrit à la production à l'époque, avant de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ah mince, il s'est absenté, c'est pas grave, il va être fan à revenir. Donc samedi prochain, j'espère que je ne serai pas trop décalé, ce sera la dernière, après je verrai, puisque après Fort Boyard est terminé. Oui, tu m'as pas entendu, Fun Fan, je rappelais la belle histoire de Cyril Ferraud. Oui, tu l'as dit. Bah, oui, c'est vrai que quand il était gamin, il y a eu des anecdotes, quelques photos.
Il était venu faire un stage au temps de Lafont, au temps de Castaldi. Oui, après il est revenu en tant que candidat parce qu'il était un grand fan de lui. Pourquoi cette porte est fermée? Donc ça fait deux samedis d'affilée où il n'y aura pas eu Fort Boyard quand même. Une fois ça a été remplacé par un jeudi. Et là, bon, ils ont décidé qu'il n'y avait rien pour remplacer, il n'y avait pas de jour dispo. Sympa, j'ai accès à toi. Elle est où la miss? Attends, il y a encore du monde? Ah non, c'est fini. Oh, je croyais qu'il y avait. Elle aurait dû me dire que. Oh là là là, mais quelle nunuche. Ah bah tiens, du coup, comme je suis dans le menu, je vais faire une grosse sauvegarde. Bien grâce. Oh, je crois qu'il y avait encore des loustiques à neutraliser. Pour parler poliment comme les militaires. Je suis un homme libre. Ah, ah. Oh, je suis dans une zone interdite. Diamant ou tant qu'il n'y a plus personne. Autant que j'en profite. Ouais, ça fait bobo. Ouais, j'ai chuté de quasiment deux étages. Mais bon. Attends, la zone là, elle est interdite. Pourquoi? Ils ont quelque chose à cacher ou... Non, ils ont rien à cacher. Autant qu'étrange. Donc d'après le site, ce que je vois sur les fans de Fort Boyard, la moyenne a l'air légèrement plus forte que l'année dernière. Eh ben tant mieux pour eux. C'est ça que je... Ça correspond à ça. Ah oui, c'est ça. Ah non, je vais pouvoir faire un peu de muse. Là-bas, les explosifs. Ouais, je crois qu'il y a peut-être des trucs. Oh, il n'y a plus rien qui pète là-dedans. Oh, je suis déception. Munitions presque infinies. Ça ne se refuse pas. Hasta la vista, baby. En mode Terminator, c'est ça qui est bon. Ah oui, la boîte là. Oui, bah, ça en a une autre de munitions. Ouais. Et la part de marché, alors pour l'instant, la saison n'est pas terminée, mais... Elle était l'année dernière à 15,3, là on est à 15,6. Ok. Donc l'émission devrait logiquement reprendre l'année prochaine sans souci. Hein. Ouais, c'est bien. Bah, c'est vrai qu'une telle mission, une émission historique, ça fera bizarre le jour où elle sera déprogrammée. Quoi. Finira bien par arriver, malheureusement, mais ça va être on va dire, la fin d'une époque. Bonsoir Tomouf. Tomouf, salut. Bah si les féministes et les pro-animaux là continuent à vouloir qu'on supprime les fondamentaux du programme, ça va finir par arriver. Hein, on verra pour nous faire supprimer le tigre, faire supprimer les tenues, faire supprimer certaines épreuves parce que ça heurte d'une certaine tortue. On ne va plus avoir tant de choses hein, dans les fondamentaux.
La carte dit quoi? Je veux une mission au centre de la ville. Si je prends le bus tout proche, je pourrais atteindre la capitale. Alors voilà, c'est dommage que je ne l'avais pas trouvé dans l'original, pour revenir sur Spy Fox. Oui. Alors c'était Capucine Jimmy, c'est dommage que ça ne m'est pas revenu quand j'ai parlé de la conclusion, mais peu importe. Elle s'appelait Monkey Penny. Qui faisait passer à Miss Money Penny. Oui. Je sais pas, peut-être qu'ils ont... Ils ont trouvé ça choquant, ils se sont dit peut-être Penny trop proche de pénis, je sais pas. Oui, c'est possible. Oui, ça va. Oui, pour répondre à Tomouf. Moi, je revis, hein, orage passé vendredi, là j'étais en euphorie, parce que j'étais assommé par la chaleur. Donc oui, ça va bien, merci Tomouf, j'espère que toi aussi. Orage, oh espoir. C'est ça, exactement, très bien. Tout ça doit être inversé. C'est beau, j'aime bien l'ambiance. Bon, à part le fait que ça flambe, hein. Mais ça fait carte postale. Il y a quelque chose. Oh, quel idiot ce bug de l'info, là, du message vous avez quitté sans un coup, moi. La zone de cessez-le-feu. Oh, la malaria qui fait suer. Alors, objectif, moi, c'est atteindre l'arrêt de bus pour me rendre dans la capitale locale. Dans la grande ville locale. Ouais, ça va bientôt, Mouf, c'est cool. J'aime bien. Ah, ça change pas. Dans la version originale, c'est toujours le professeur Quack. Ouais. Bah, tu l'aurais fait en deux fois l'épisode là. Et c'est, honnêtement, hein, je t'avouerais que moi de tête, je m'attendais à ce que tu le fasses en deux épisodes. Je te le voyais pas le faire en une seule traite, donc je me suis laissé surprendre. Et j'aurais davantage développé mon propos sur la pasteurisation si ça avait été le cas, mais c'est pas grave, l'essentiel a été dit. Et puis à terme je finis toujours par vous mettre mes fiches, alors généralement c'est des copier-coller, on va pas se mentir, de fiches Wikipédia, mais pas que. Là la pasteurisation, je suis allé sur plusieurs sites, c'était intéressant. Vous trouverez le PDF à télécharger dans X mois sur mon Discord. Je finirai bien. Je suis en retard là-dessus, hein, comme beaucoup de choses. Mais c'est pas perdu, vous en faites pas. Je finirai par publier. Ah merde, l'arrêt de bus est par là-bas. Tu vas acheter le jeu WRC sur PS4. Ah, alors l'offre est super intéressante. Le problème, c'est qu'il faut avoir la PS4. c'est sûr que c'est très intéressant. Oui. Il n'y a que Twin Sun qui est... C'est un jeu pour gamin, donc c'est pas intéressant. Mmh. Ouais. Oui, Tomo, fin, pour info, je te rappelle que pour le moment, je suis PS2 et PS3. Qu'est-ce que c'est ça? C'est étrange. Alors, Oh merde. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais ça pète déjà. Oh, qu'il aille faire dodo lui. Merde, faudrait que je reprenne d'ailleurs les WRC, Tomouf, tu me fais penser des jeux de rallye. J'avais fait les deux premiers que j'avais adoré, il faudrait que je m'engage sur le troisième ou un équivalent de jeu de rallye, je verrai. Ah, ce sont des orpailleurs, je crois savoir.
Et il y avait un autre loustique, je crois, non? Ce sont des orpailleurs. Voilà ce que font les loustiques. Merde, j'aurais pu l'avoir, mais il s'est mis à bouger. Voilà, on peut le dire, littéralement, il fait ses cartons, lui. Merde, j'ai loupé. Et évidemment, il m'a repéré, il m'a battu. Et merde. Ah là là, mais merci pour l'info, Tomouf. Hein. Merci à toi de donner les infos très intéressantes. Magnifique, je crois pouvoir m'inventer de les avoir eus. Il n'y aura plus personne normalement, je dis bien normalement. Il n'y avait que 4 toustiques. Ah ! Au pied de l'arbre, il n'y a pas de souci. Voilà. Oh, je les ai bien eus. Tous autour de l'arbre. Il y avait leur pailleur qui était dans la mare là. Mais c'est classe qu'il y ait l'animation. Oh bon, lui, il est mort noyé. Ah, ah, ah. Rien au niveau du radar? Non, rien. Ah, les malins. Les malins, les malins. C'est vrai que l'endroit est... Ah! Je me disais, c'est pour ça que je persévère, je lui dis l'endroit est trop beau pour qu'il y ait que ça. Et là, à la place des diamants, une cassette du chacal. Bah merde alors, où est le truc? Là-bas? Ah, il va falloir faire de l'escalade. Les petits malins. Oh, des piles de pneus. Bah. Ah, c'est derrière la pile de pneus. Oh, oui, c'est un point de repère. Eh, hey, 3 diamants! Wow! Joli pactole. Joli pactole. Chip, 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 c'est beau. Je me répète hein, de dire c'est beau, mais j'adore ce genre de jeu. Je suis en totale immersion dans ce que j'ai sous les yeux. Bon, j'étais censé me rendre à l'arrêt de bus. Là, je suis en train de... Je pourrais presque passer à l'armurerie, du coup. Mais oh, je vais pas changer mes armes. Elles sont bien. Oh, si, allez, j'ai trouvé, je pense, un véhicule aussi. Ça crée une scène. T'es content, j'ai terminé le jeu. Hein. Tu vas me envoyer tes pics. Mais comme t'aimes bien ce jeu, hein, vu ton enthousiasme,
Peut-être que je vais le refaire la semaine prochaine, parce que le jeu a une rejouabilité. Ouais. Et ouais. Ah, il y en a qui ont apprécié, heureusement que tout le monde n'a pas tes goûts, parce que sinon on n'aimerait pas grand chose. Hein. La critique est sévère, mais pas injustifiée. Ah, je vais faire des âneries. Non, il est sympa. Oh, il faut savoir garder son âme d'enfant. Oh, le capot, il a bien giclé. Par contre, c'est dommage, la Jeep me cache la vue maintenant. C'est embêtant. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me soigner, pas sauvegarder. Je suis tombé de touche. Ah là, je suis le cactus qui flambe. Oh, un arbre. Pareil. Encore? En plus, en vrai. Joli. Bon, c'est qu'il bouffe toutes mes munitions, les salopios. Ah, véhicule au choix bleu ou orange. Allez, j'ai la paresse de prendre celui qui est plus proche de moi. Pas de diamant. On va aller à l'armurerie. Pour me mettre dans les fouilles de munitions. Être armé comme un Rambo. Et faire mon vilain. Mais ça, je crois que tu connais un peu mieux l'historique des jeux du mois de Aerostar. Oui. Et si je comprends bien, il avait joué à des Dark Souls. Hein. Il en parle. Ça devait être à l'époque où je l'ai découvert, donc je te répondrai oui, je crois qu'il s'y est frotté. C'était possiblement les premiers jeux qu'il a diffusé sur son antenne. Non, il avait apprécié, et quand on sait que c'est un From Software, que c'est toujours. Je suis surpris parce que c'est un peu dans la continuité des Dark Souls, quoi. Ouais. Mais c'est la première personne, enfin avec toi, mais je veux dire vraiment qui s'est frotté, qui j'apprends, ne l'a pas apprécié. Mm. Que les gens qui ont joué, moi je connais que des ultra fans. Ouais. Ma chaîne aime beaucoup. Ça, j'ai bien aimé, beaucoup apprécié, une buzz. Et pas mal de gens. Moi, non, je te cache pas que le jeu m'attire pas du tout. Oui, je sais. Moi non plus, mais moi, c'est tous les sous. Il n'y en a aucun qui m'attire. Ces jeux-là ne jouent uniquement sur leur difficulté. Ça m'attire pas, moi, des jeux. Mercenaire subitement une mission. Je crois qu'il n'y en aurait pas, mais finalement. Oh man.
Heureusement que j'ai fait refait plein de munitions. Je n'attendais pas à voir du monde. Le bus pour aller dans la capitale est celui-ci. Allons-y. Chipidi, chipidi, bidi. Chipidou, chipidi, bidou. Sauvegarder et continuer. Oui, avec plaisir. Pouk. Alors, quelle mission on va nous proposer dans la ville? Oui, bon app, le baron. Merci, si gentil. Bon app. Mange avec appétit, je te le souhaite. Chez chaque et bon. C'est vertigineux! Regardez-moi ça comme c'est haut! Oh là là! Toujours carte postale! Chibidi bidi bidi bidou! Chibidi bidi yeah yeah! C'est un petit bouton qu'on n'a pas vu la pluie là dans le jeu! Fait un temps magnifique! Probablement une chaleur écrasante. Touk. Ah, la résistance pour avoir des médocs. Ils sont dans les risques, visiblement. Avec une charmante señorita. Plus de ça, j'ai pris l'aventure africaine. Ah non, personne n'est dans les risques. Au milieu des feuilles, exactement comme ici. Merde, mec, je peux pas faire un break si tu casses mes rêves. C'est ici que ça se passe, je présume. Il me faut mes médocs contre la malaria, moi. Sinon, je vais crever comme un caca. Désolé, mauvaise nouvelle. Nous n'avons plus de médicaments. Il y a un magasin de cartes téléphoniques à 1 km à l'est de Porcelao. Vous le verrez sur votre carte. Là-bas, j'ai un collègue qui vous aidera. Je vous demande juste de nous aider aussi. J'ai des visas que je dois lui faire passer. Vous les lui apportez et il vous aide pour vos médicaments. Ça me va. La mission est noble. Merci, Doc. Les milices ont déjà attaqué la zone. Soyez prudents. Et bonne chance. Okidoki. Mickey pour l'info. Eh, excuse-moi, je sais pas si tu vois mon signal vidéo, Falfan. Oui. Mais je trouve qu'il y a des airs de Tropico en 3D, là. On se croirait vraiment dans Tropico. El Presidente. Avec un petit air de saxo. Pip 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 pip. La 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 la. Regarde ce crétin. Ah, dégage. C'est une zone interdite. Donc, fini, oui. Ça parle mal. Oh mon dieu, j'entends un zappage de télévision. Ça fait peur, il y a peur. Ah,
Alors, livraison de passeport. Il y a un peu plus de réfugiés qui s'exilent de ce bourbier. Que je les attends dès que je les salue. Voiture ou pas voiture? Voiture. Oh, il y a une vieille balle. J'ai loupé mon premier tir, ils ont eu du bol. Ah non! J'ai bousillé ma bagnole aussi! Ah merde! Ah non, là je suis pas d'accord! Ah, je veux pas continuer à pied, moi, merde! Je sais pas qui ils sont! Oh! Ils sont chiants, tous! Tiens, attrape! Oh, les casse-bonbons! Ah, bah, ils m'ont eu! Ah! Violence! Ah, je m'attendais pas à perdre ma Jeep, moi! Je pensais que j'avais bien garé, qu'elle était en sécurité. Que nenni! Je m'en sors miraculeusement bien par rapport au souffle de l'explosion, mais la scène est tellement drôle. D'ailleurs, vendredi prochain, il va se passer, ça va être symbolique ce qui va se passer. Pourquoi? Bah parce que ça va marquer les un an du partenariat avec Aerostar. Ah, c'est vrai, vous aviez démarré début septembre. Le 1er septembre 2022, et là, on va se retrouver du coup le 1er septembre 2023. Il va marquer les 1 an, l'anniversaire. Et en plus, on jouera sur deux jeux. On va continuer Resident Evil 6. Il y aura, j'espère, le Baron pour The Last of Us avec nous. Et Momoka. Ouais, oui. Très cool. Bon, Momoka, il viendra pas dans la vocale, mais il jouera avec nous. Ouais. Bon, après, il est comme vous. Donc la semaine prochaine, ça marque l'anniversaire. Ah, la classe. Alors je sais pas si le baron nous écoute, mais Cocosi, je souhaite bonne fête aussi. Et pardon, continue. Je vais lui envoyer un message. Mais je suis déjà nostalgique, hein, je vois déjà la fin. Il n'aime pas Aerosys, il n'y aura pas d'autres run, donc pour moi c'est un peu la fin. Oui. Mais non, c'est comme ça à la base, on partait juste pour faire un run en normal sur Aerosys, donc moi je ne vais pas jouer. Mais je me prépare déjà à me dire que c'est terminé. Eh ouais. Il m'a aligné le mec, je maîtrise la situation et le mec m'a aligné, c'est d'une violence inouïe. Enfin bref. Ah là 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 là. Je lui ai roulé dessus. Ça change un peu une variante cruelle mais efficace.
qui ne fera pas une live les 1 an de partenariat. Il va prendre le titre, ben, ça nous fera un titre. Moi j'avoue que j'ai laissé tomber. J'ai vu oui, qu'on était des titres sur les lives. Mais... Je galère pas, ça l'énerve. Ah ouais. Parce qu'il aime bien lui quand je galère rajouter son petit commentaire pour, pour allumer les brèches. Et là il peut pas. Oh là 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 là, bug de collision là pour le coup. Je pensais tirer par-dessus mon véhicule mais j'ai pas pu. Et alors je crois que tu l'avais dit pendant le live, la rejouabilité du jeu. C'est de beaucoup ou c'est juste 2-3 parties? Bah en fait il peut y avoir 12 mélanges possibles entre les personnages et les ennemis arrivés. Donc j'ai envie de dire il y a 12 entre guillemets déroulés d'histoire possibles. Oh là 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 là, tir à balles réelles messieurs dames. Un mal de chien me dépêtrait de ma situation là. Ils sont deux cortèges à mes trousses armés jusqu'au dents. Sortir de l'arbre, ça va me dire. Wouh ! Finalement, il va peut-être falloir que je me barre et que je reste pied au plancher, hein. C'est peut-être la meilleure des solutions. Je vais finir par le croire. Là, moi, j'étais sur le 6-9 quand même. Donc, si ça peut rassurer Twinsen, j'ai pas choisi le plus facile. Ce rebond débile de la grenade. Même à la main, j'aurais mieux fait. Et je vais peut-être me résoudre à lancer une grenade à la main et non pas avec mon arme parce que j'ai une visée trop aléatoire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais me soigner, merci. Merde, ils sont pas tous morts. Ah, c'était tellement possible, j'ai envie de dire. Je vais y arriver, hein, au forcing, je vais y arriver. J'aurai forcément une combinaison gagnante, Yin de The Matrix. Comment je me suis fait abattre? Ah dommage, j'ai voulu tirer à l'aveugle mais ça n'a pas marché. J'avais espoir qu'il soit dans ma ligne de mire là où je pointais mon canon mais non. Ah c'est intéressant.
La position du tireur est fort intéressante. Et si je fais ça, il est dans le mal. Je peux pas reculer parce que je suis cerné par deux mecs surarmés. Je peux ni avancer ni reculer, je suis vraiment cerné. Allez, je t'ai vu. Derrière et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici. Allez, connard, te les gonfle pas. Viens rejoindre ton créateur, ça va l'heure. Je vais le contourner jusqu'à sa position. Je suis condamné à gagner. À la guerre comme à la guerre. Oh, il y a trop de rebonds. J'arrive pas à tirer. Voilà. Alors, je pensais pas que les trois véhicules pètent simultanément. Du coup, c'est moi qui suis mort et eux, à mon avis, ils sont indemnes. Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Encore. Tu vas pas descendre. Hein, je sais pourquoi. Ah, hey, pour oui, la first class, filme-toi. Il est là, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter ça. Tu veux, je vais l'échapper. Oh, oui, il est là, le mec. Je m'ai pris prêt. Ouf. Ah merde, trop tard pour Magic. Va faire boum. Ah bah. Ah, elle se retourne sur l'autre bagnole. Comme ça, elle aussi, elle va péter. Maintenant, j'ai un incendie à mon niveau. Ouais, c'est la fête. Voilà, tout va exploser. Je pense pas que j'ai le temps de me barrer avec la rouge. Maintenant, elle a commencé à flamber aussi. Non, mais c'est foutu. Allez, pour le spectacle, je vous laisse observer les explosions des véhicules. Joie ! Je bois un coup. Voilà, magnifique. Aïe, 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 aïe. Ah, ça rôtit bien. Hein. Ah, trois réservoirs d'essence. Il ne reste plus grand-chose. C'est bien calciné. Ah, aïe aïe aïe. Pardon. Il y a encore une petite trotte à faire là. D'ailleurs, si je passe par là, je suis condamné à aller à pied, hein, vous l'aurez compris. Ah, les salopards de poursuivants, ils m'ont pas fait de cadeau. Hein. Alors que sonnent les 22h, je vérifie si je peux pas récupérer quelques armes. Ouais, c'est la misère. Heureux le baron, bien mangé. Alors, en ces temps pas facile, hein, c'est, j'ai envie de dire, c'est une chance de pouvoir manger à sa faim. Enfin, je veux pas faire un instant drama, mais bon, vous m'aurez compris. C'est dur de... La 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 la... Alors, que je contourne bien manger, un peu du ventre bien tendu. La peau et du ventre bien tendu. Ok, ok. Eh ben c'est bien. C'est ça qui est bon. Eh bien, oh. Oh merde, il y a des mercenaires. Je pense pas que ce soit des copains. Merde, j'ai plus de balles. Merde, il bouge trop, lui.
passé où le clou stick? M'inspire pas confiance. Qui a survécu, il s'est barré et il est hors de mon champ de vision. Je peux pas le viser. Oh merde, il y a un gars là. Salopard, il a fait m'avoir en l'air. Comme quoi, faut se méfier à 360 degrés à tout instant. D'ailleurs, j'irais bien dépouiller le Mickey là. Il y a peut-être du matos intéressant que j'ai pas sur lui. Un 9 mm et un fusil à pompe. Ah, on fait moins le malin. Ouais, rien de plus. Sors lui. D'où que tu sors mon gars? Oh, c'est le loustique qui m'a contourné. Il a fait tout le tour de la formation rocheuse pour m'abattre dans le dos. C'était lui. Oh, c'est moi ou le mec qui est en survie? Non, j'ai cru que c'était... Merde. Qui c'est qui m'a aligné? Wow! Wow! Alors là, j'en suis le premier surpris. Là, j'aurais pas dû rester si longtemps sur ma position. Voilà, je passe tout de suite au fusil de style. Merde! Studio. Et le gars il venait d'où? Alors c'est dommage, j'avais fait une belle session de tir et puis au final. Je crois pas que je l'ai eu. Vite recharge. Je sais pas s'il est en vie ou si je l'ai abattu. Attention, c'est génial d'avoir l'extension des cartouches, d'en avoir plein, mais faut pas non plus que je tire à engâcher les munitions. Allez, je vais avancer. Là, cette fois-ci, je vais les reprendre à leur propre jeu. Je cours jusqu'à la carcasse. Ouais, attends, y a un mec, je me glisse et pan. Personne là. Ramper non, glisser ouais. Là j'ai fait une glissade en arrivant à la carcasse. Ok, j'ai pas repéré le mec qui m'a battu. Je sais pas d'où il venait mais il a fait fort. Ramper non je peux pas, mais je peux courir et glisser en demandant à m'abaisser, m'accroupir en fait. C'est courir et accroupir et gars glissade. Et mais après je redeviens accroupi. En fait, j'aurais pas dû tirer en étant debout. Parce que là, du coup, ils m'ont repéré. Ah, il est pas mort, il est blessé. Donc, il y en a qui vont tenter de venir le sauver. Ce qui est pas inintéressant. C'est moche, mais avoir un blessé peut être vachement intéressant. Pour attirer tous les autres qui vont essayer de le soigner.
Voilà. Merde, j'ai loupé mon tir. Merde! Ah, mais c'est pas vrai! Il y en a un autre. Il vient aider son compagnon d'armes ou il se la joue solo? Je crois qu'il se la joue solo. Bon, je vais me lancer jusqu'à la bagnole. Je vais refaire la technique, le baron, tu vas voir. Je cours et je m'accroupis et regarde, hop, glissade. Et là, il faut que je me rabaisse tout de suite derrière. Mais je ne peux pas ramper. Merde, ça me tombe. Qui c'est qui essaie de m'allumer là? Ah, j'avais pas vu! C'est le sniper qui m'avait eu. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une casse-balle. Je comprends mieux. Ah, le mec, il agonise encore. Hein, il est pas mal. Sale, quand même. S'ils viennent vers nous, on va les griller. Ah, il se la joue en mode Rambo. Non, non, c'est pas vrai. Allez, allez, recharge-toi, merde! Il n'y a pas d'autre. S'ils viennent par là, je me tiens prêt. Non. Oula. Ah, j'ai mis un mec là. Salopard. Merde, il y en a encore un là. Il y en a du monde. Incroyable. Merde, il y en a encore un là-bas. Oh la vache. Merde, j'ai loupé. Je me demande si l'autre est pas mort. Parce qu'à force d'être relevé et de rechuter, à chaque fois que j'abats son coéquipier qui vient l'aider, c'est horrible, mais. Ah! Je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Salopard, il fait son corps, il est dans le maquis! Là, je l'ai eu. Ça parle mal! La grande classe. Ouais, j'avoue que là, mon enchaînement est bien. Mais j'aime beaucoup les Far Cry pour ça, en fait. Le côté sniper, action, il y a un bon dosage. Et là, j'avoue, j'ai commis une faute. Je me suis fait avoir comme un débutant. J'avais pas lu le paysage avec la hutte de sniper à laquelle je m'étais approché. C'est lui qui m'avait liquidé précédemment en toute beauté. Il m'avait superbement aligné. Et bah dis donc, ça en fait des cadavres enfouillés. Moi qui suis censé livrer des passeports pour de futurs réfugiés politiques, là, dans le pays voisin. Wouh! Ma tête a été mise à prix, mais à un niveau... c'est pas possible, ma tête vaut 250 diamants. Ils se mettent tous sur moi. J'aime pas le côté première personne, mais Far Cry 2, j'ai beaucoup aimé. Ah, ok. Oh, cette atmosphère. Il y a des cadavres en amont, là. Ouais, ils avaient couru par là, les salopios. Oh, l'installation, toi, il y a de ces huttes. On va rendre une petite visite à l'endroit. Ah, là, il y en a un, là. Ouais. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai un meilleur matos que... Il y a peut-être le sniper qui est à mon niveau, au niveau de la qualité de l'arme. Mais bon, j'ai vu que quand je l'ai zigouillé, son arme est tombée par-dessus la hutte. Donc le fusil de snipe, là, à mon avis, il est tordu. Symboliquement, il est cassé. Alors que le baron a posé une bombinette dans le chat. Pour ceux qui veulent faire mumuse, ils sont les bienvenus. Comme si... Oh, attends, c'est un animal, ça. Comme s'il n'y avait pas assez d'action. Ah, c'est un animal très dangereux qu'on appelle l'homme. Voilà. Vous avez 4 heures pour philosopher sur ma phrase. C'est horrible. Du.
Hop là. Moi, je suis le poulailler. C'est le poulailler du village. Oui, pharmacie. Ce serait apprécié. Hop là, c'est ça la classe. Ah. Fait plein de munitions. Bon, bah c'est bien. Alors, ma destination est... par le chemin, ouais. Il faudra que je me barre par là-bas. Ok. Bon, je vais pas me refuser un petit spectacle pyrotechnique. Pardon, je ne sais plus parler. Vous l'aurez compris. Je vais glisser la petite grenade du bonheur. Merde, on me tire dessus. Ou il y a des combats, je sais pas. Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi ça tire? Attends, je peux escalader le... Pourquoi il y a des échanges de tirs? Bon, je vais mettre un peu d'animation là-bas. Strike? Oh, je suis déçu. Y a pas un incendie qui prend, rien. Oh, j'ai loupé mon tir, tant pis. Qu'est-ce que c'est que... Bah, comme par hasard, il y a de l'animation là où je mange. C'est quoi le délire? Ok. Malheureux sont encerclés. Ne m'attendez pas autant d'action. Hein. Attends, je pouvais pas changer de. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'avais pas la même touche pour changer le type de projectile. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je crois que j'ai vu 4 types. Mais non. Oh bah. Attends, j'ai fait n'importe quoi. On peut pas l'arrêter. J'ai fait n'importe quoi. Alors là, je vous avoue que je suis surpris d'avoir été pris dans le souffle de l'explosion. Mais bon. Merde, je l'ai paumé. Il est pas loin. Où tu l'as vu la dernière fois? Par là. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont perdu. Merde. Il est là. Je comprends pas. J'ai eu des explosions de véhicules plus proches, ça me tuait pas. Et là, je suis tué sur le coup. C'est parce qu'il y a un énorme rocher qui me fait mur dans le dos et ça réverbe l'onde de choc, je sais pas. Lui, il va arriver, donc crack boom, voilà. Mais c'est inouï. C'est... Ça me dépasse là. Je vais essayer à la grenade. Où il est parti? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Hop, ils vont arriver. Hop, j'anticipe. Merde, trop tôt. Ils savent pas où il est. Qui? Où est qui? Celui qui a attaqué? Qui pourrait être n'importe où? Ces abrutis ne font rien dans le... Voilà, non, on n'en parle plus. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Je vais attaquer? Ça n'a pas. Oh merde, je crois qu'il s'était déporté, mais non, j'ai mal lu. Comment vais-je reprendre le dessus? Ce suspense. Putain, mais je vais mettre une heure pour des passeports, qui l'aurait cru? Oula, il est arrivé en trombe là pour le coup.
Tiens, un cocktail Molotov, c'est plus drôle. Ah oui, c'est déjà plus rigolo là. Ah là, le véhicule il va faire boum. Il est urgent d'attendre. C'est horrible, hein, mais la technique du feu de brousse, elle marche bien. Alors, quand je ferai Far Cry 4, que je vais découvrir avec vous en Himalaya, avec le climat froid, les feux de brousse, ça va être difficile. Donc, je sais pas comment je vais faire pour me séparer de cette technique qui m'est très agréable. Je pourrais plus faire mon pyromane, merde. Oh, hey, impressionnant. Oh là là, ça rôtit bien. Bah, je suis surpris que leur véhicule n'ait pas explosé, dis donc. J'aurais fait un pari que j'aurais perdu. Je crois qu'ils ont perdu celui qui les avait attaqués. Vache, on a les mots. Tu veux te faire flanquer? Non, c'est pas ça. Voilà. Hey ah, je suis mort. Oh là 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 là, la cata. La cata absolue. Et j'ai encore. Je confonds les touches, c'est la fatigue du soir. Je confonds la sauvegarde avec le soin. Donc là, j'ai sauvegardé dans une situation de merde. Voilà. Un tireur peut en cacher un autre. L'enfer. Oui, barbecue va chercher les merguez, ouais, mon papa. Merde, je l'ai paumé. Il est pas capable. Oh, tu l'as vu, la gagne là. Ça venait de là. On dirait que la sauce passe pas très bien. Je regrette même que mon Molotov soit pas aussi efficace tôt. Merde, je l'ai paumé. Il est pas grenade. Tu l'as vu la dernière fois. Ça venait de là. Mais qui sont tes types? Je crois que c'est un ennemi. C'est... Il m'aligne, mais... Mais j'adore le réalisme, hein, d'une balle à mort. Hein. Ça déconne zéro. Et je rappelle que je porte un gilet pare-balles. Merde, je l'ai paumé. Il est pas... Où tu l'as vu la dernière fois? Bah, lancez le Molotov avant de reprendre mon fusil de snipe en main. Ou alors je me la joue à la Rambo. Vous voulez partir? Rambo. Il est quelque part. La gaffe, grenade! Là, ça venait de là. Je te suis. Ah. Ah. Si je peux me soigner, c'est pas mal. Ils savent pas où il est. Non, on est d'accord, je suis accroupi. Oui, c'est ma guerre, ouais. Au suivant. C'est carrément tirable pourtant. Merde. Non, change de flingue, snipe. Oh, cellule de la résistance débloquée. J'ai dû avoir le dernier moustique. Wouh! Oh bah l'arbre qui crame bien. Ah, il y avait deux véhicules. Ah, ils sont arrêtés sur la route, donc ça va pour le... Mais alors lui, il aurait pu cramer. D'ailleurs, attends, je vais... Oh, à moins que je reparte avec la... Ouais, peut-être avec la Jeep. Eh bah dis donc. Sacrée guerre. Merde, c'est pas la bonne porte. Ils m'auront donné du fil à retordre, comme on dit. Enfin, certains se décident à partir. Combien pour l'instant? Le quart du merci. Je pensais qu'on se débarrasserait jamais de ces animaux. Ah, t'as amené les passeports. Excellente nouvelle. Va voir cette famille derrière. Ils seront contents de faire ta connaissance. Avancez.
Ça fait des semaines qu'on attend. Vous avez les passeports? On a des médicaments pour vous. Ah, merci, vous monsieur. Vous espoir. L'homme ne peut vivre sans espoir. C'est pas faux. Merci, tout plein. Ah, bah c'est bien. Alors, c'est un des rares moments, je le rappelle, dans la narration du jeu, où on peut observer des femmes. Ce sont les rares femmes... Oh, pan. Oh, tu es une scène, t'es un monstre. c'est une des rares fois où on peut voir des femmes dans le jeu. Hey, Twinsen, t'es parti. Je sais pourquoi tu n'aimes pas Spy Fox. Parce que c'est un jeu pour les 6-9 ans. Et donc, comme t'aimes bien me voir galérer, le fait que tu me vois pas galérer, ça t'énerve. C'est tout. Je suis sûr que c'est ça. Ouais. Ah, vous êtes terrible, vous deux. Pas de diamant, non ? Parce que j'aimerais bien faire la mission... Attends, il y avait pas... Oh merde, oh là là, j'ai explosé le panneau LED Jeep, mon dieu, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, attendez, pause. Faut que je zoome sur la carte. Déjà, si je pouvais avoir du soleil, ce serait bien que je puisse bien lire la carte. Où est le soleil? Là, je vois plus rien. Oh merde, il est caché par l'arbre. Je vois à peu près clairement ma carte. Ouais, ouais, oui, les mercenaires. C'est pas la boîte d'origine, mais bon. Donc, moi, je retiens maintenant, quand je fais un jeu, ne pas montrer la boîte à Mr. Twinsen, sinon il se fait des artilleries. Ne pas lui donner le titre, il se fait des artilleries. Là on n'en finit plus, le feu de déclarer la rubrique sur Twitch. Enfin, voilà quoi. Merde, tu sais qu'il fallait que je passe par là. Ah oui, les postes de police, donc c'est la prochaine à droite. Oui. Mais il t'en faut pas beaucoup hein, pour avoir des appuis. Une fois de plus, je perds mon véhicule, mais c'était drôle. Bon, bah, je vais continuer à pied. Oh, c'est pas trop loin, ça va. Et puis, le paysage est merveilleux. Ça y est, ils sont excités, eux. Ah, je suis pas mal, là. Ah, mais c'est là où il y avait le poste de... Mais non, c'est pas le même endroit. Bah, si, c'était... Ah, si, c'était là qu'il y avait le poste de... Ah, bah oui, merde. C'est l'office postal. Oh. Ah, merde, je vais plus lancer les motos, pas du tout. Dépenser. Oh, je loupe mon tir. Oh. Merde, alors lui c'est le snipe parce qu'il est derrière l'obstacle. Merde, il a bougé ce con. Ils ont bougé. Oh, quel abruti. Il a tiré sur la citerne, mais qui est con. Ça a pété. Où sont-ils? Là, par là. Mais c'est bon ça. On sert à rien ici. Si quelqu'un lance une attaque,
Je pensais pas qu'il pouvait faire de crapahuter jusqu'à là. Je croyais que le relief était plus escarpé que ça et qu'ils auraient pas pu me contourner. Bon. Je pensais qu'il est resté dans l'encadrement de la porte, mais il a tout de suite plongé. Oh joli lui. Oh lui, je l'ai vu de loin. Ouais, je sais pas si le feu va me donner un avantage. Je pense pas. Il faudra que je me délocalise là, parce que là ils vont venir me cueillir. En plus, il y a des munitions là-bas, ça m'intéresse. Moustiques au pied de l'arbre ou quoi? Visiblement ils sont morts comme des caca. Bizarre que ce soit soudainement si calme. C'est tellement agité tout à l'heure. Oh là-bas il y a des munitions aussi, il y a des trucs. Aurait-il perdu ma position? J'ai l'impression. Il m'a pas vu le mec. Ouais non, là je touche pas. Il est où le toastic? Allez, je fonce dans le bâtiment. Cours, Forest. Merde, non, s'il y a du monde devant, ça va pas. Joli. Et je sais que là, il y a une trousse à pharmacie. C'est ça qui est bon. Non. Oh, je confonds toujours la sauvegarde et le soin. Hein. C'est imparable. Ouch. Ah, il est pas con lui. Bonne suggestion. Oh merde! Bravo! C'est une grenade en mousse! Ça m'a rien fait! Contrairement aux miennes! Elle est bonne! Oh, ça me dit trop sur un dernier épisode de Fort Boyard! Eh oui! Ah, il y a un salopard par ici. Oula, il y a un truc qui flambe. Oulala. Oulala, il se passe des trucs. Une attaque! On est attaqué! On fait quoi? On fait quoi? On danse! Danse, l'ennemi! Merde! Ah! L'arme qui se bloque, c'est frustrant! Fais tes prières! Oh l'autre! Alors! Discutable, hein, vous l'aurez vu à l'image. La probabilité de me buter alors que je l'avais pas vu, ça se discute. Hein, on va appeler Jean-Luc dans la rue, on va le déterrer de sa tombe, ça parle très mal. C'est beau, on voit l'ombre portée du moulin à vent. Oh merde!
Et bah là, vas-y, abat-moi, mon arme est coincée. Alors. Il n'y a plus d'action. Aïe, 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 aïe. Merde, je l'ai paumé. Il est pas loin. Où tu l'as vu la dernière fois? Par là. Tu vas mourir. On va l'arrêter. Je vais le tuer jusqu'à sa position. Ah oui, je peux pas changer d'arme. C'est dingue, quand le perso que j'incarne se bat à décoincer son arme. Ah, le jeu, on a crashé tellement qu'il est pas content. Attendez, je vais relancer quand même. Je vais essayer de... Pendant encore une petite demi-heure, parce qu'il faudrait que je sois pas trop... Hein, que je sois à peu près frais demain pour un peu de Final Fantasy. Demain matin, mais... Aïe, 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 aïe. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Dum 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 badum badum. Attends, si je fais charger, j'oblige le jeu à embrasser ses sauvegardes. Autant de dans ce qui était que le Flinters. J'en peux plus de ce merdier. Je vais te couvrir, t'es prêt? Non! Doucement, les gars. Tu vas mourir! Oh. Allez, je vais faire un doigt d'honneur au jeu, dans le sens où je sais qu'il va se bloquer, mon flingue. Je vais délibérément en prendre un autre. Enfin, oui, ça va être difficile, j'ai pas d'autres munitions. Merde. Faut arrêter ça. Oh, tu pleures. Non, attends, stop. Clamba. Ça va être chiant, t'as l'air. Non, tu vas mourir. La bonne. Ah, on va dire que sur le papier, en théorie, ça se tenait, mais dans la pratique, ça s'est pas vérifié concrètement. Quick. Mexico, piso. Recharge, couvre-moi. Mais baisse-toi. Tu vas mourir. Ah, il y a un mec en face. Ah, j'ai une caisse de mine. C'est quoi le mine? Ah bah c'est mon joujou bongo. Oh, personne. Hey, mogen we hier, kunnen we klaar spelen met hem? Il est chiant avec son... Voilà, avec un peu de chance, y'a plus personne. Hey. Et où est-ce qu'ils sont? Ouh là là! J'étais un peu brutal, on peut dire. C'est rigolo. Oh, ça défoule! Ça défoule, ça défoule! Attends, il me faut ça, moi. Recharge, couvre-moi.
Oh, j'en peux plus de ce merdier. Néotech, il a fait une vidéo, alors je vais vous montrer. Son titre, c'est Windows 11 va être obligatoire. Obligatoire, je crois pas, mais obligatoire sans lettres, c'est-à-dire que de plus en plus de choses, de logiciels et compagnie vont être obsolètes sur Windows 10. Donc pour continuer à faire vite, on va faire ça. Désolé. Alors, le tir, je le craignais, mais je le conteste. En fait, si vous avez bien vu mon écran, excuse-moi, je te laisse en développer sur le tech, mais... mon intention, vous l'aurez deviné, était de tirer la grenade sur le pilier derrière ma cible. Et le fait qu'il y ait tout explosé et que je meurs, on peut pas faire de subtilité au niveau des collisions. Ouais, bon, là c'est ma faute. Enfin. Mais oui, mais ça c'est la politique Microsoft pour se faire de la thune. C'est toujours le même schéma. Mais le plus gros mensonge et honte de leur histoire, c'est de dire que Windows 10 allait être le dernier système d'exploitation qu'ils allaient mettre sur le marché. Il est temps de mourir, connard! Oh l'autre, comment qu'il est venu me cueillir comme une fleur. Je serais cruel, je lui mettrais un coup de machette à travers la fenêtre. L'horreur. Peut-être même ce que je vais faire d'ailleurs. Recharge, couvre-moi. Swing. Mais là, vite. Hey, pourquoi oui, là, c'est clair, spiel me tombe. J'en peux plus de te merder. Je vais te couvrir, t'es prêt? Oh merde, on se passe pas très bien. Oh merde, c'est bien pour couvrir. Dégage de là. Faut que je... Ah, pas mal. C'est intéressant comme... Doucement, Jedi. Ah, il y a une moustique qui est passé là. Let's go, spill me go, we will rock. Oh, c'est abusé ce que je viens de faire. C'est abusé. Et que t'en fasses, comme cette handpaille. Où smart qui d'aille? Ah, il faut vivre avec la frustration du manque de fiabilité de l'arme. Qui se coince au moment où vous êtes persuadé de pouvoir faire mouche, quoi. Que le tir que vous allez faire, bah non. C'est bon, ça fait partie du charme du jeu. Par ici. Bah, il est où le mec? Ah, j'ai une joie. Ah oui, il est encore là. Ah, il est plus là. Ah oui, merde, j'ai pas pris de mon flingue. Je suis bloqué au moment où j'avais même pas besoin de viser pour l'abattre, évidemment. Aïe, 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 bis repetita. À la longue, ça devient un peu chiant quand même. Hein. On va pas se mentir. Je l'aurais peut-être même plus facilement en bondissant dessus à la machette. Voilà, c'est horrible. Voilà, on n'en parle plus. Oui, il avait un 9 mm sur lui, mais il n'a pas le temps. Oh, attends, c'est un magnum, dis donc. Vu le canon, il avait un magnum. Reste du monde ou tout le monde est mort? Bon, moi j'ai refait plein de munitions avec grand plaisir. Et de soins.
Oh, il y a eu tellement d'actions ici que j'en ai oublié quel était mon objectif, tu vois. Je sais que j'étais de passage dans le bureau de poste. Et je voulais faire quoi? L'antenne radar, je crois. Oui! Oh là là! Dur! Bon, bah j'ai gagné la guerre, hein. Le mec prétentieux plus que la bataille. Oh! Qu'est-ce qui raccroche le véhicule? Je peux même plus me barrer paisiblement. Ah oui, il y a les bornes à la noix là. Tu parles d'un balisier. Je m'oublie. Alors, si je me barre par là-bas, ok. Approcher à la droite. Voilà, droite toute. Et il va y avoir un pylône de communication à l'île d'antenne 4G. Regardez qu'il part par là-bas. Ah, je vais bientôt changer de téléphone. Ah, il est un peu obsolète. Il y a des applications comme la poste mobile que je ne peux acheter parce qu'il a un Android 7. Le prochain, là, je vais prendre, il va avoir un Android 11. Ça, bien. Et ce sera un 11, je ne sais plus trop quoi, Red Note 11. Un peu comme ça. Ouais. C'est 2022, comme ça j'ai tranquille. Dans le moment. Et après le prochain, j'attendrai qu'il ait un Android 22. Je ne change pas de téléphone. Non mais c'est fou parce que mon téléphone, quand même, c'est un Android 7. Date, il n'y a que 5 ans. Et c'est dingue à la vitesse que ça évolue. Donc... Oh, les ingénieurs, les commerciaux savent très bien entretenir leur marché, faire fructifier, enfin bon, bref. Les règles de consumérisme. Oh la vache! Oh, l'excité, l'autre. Si vous pouvez arrêter de bouger, je pourrais peut-être l'abattre. Voilà, c'est chose faite. Allez, boum! Oh! Vache! Oh, le capot, il a giclé! Ah! Attends, c'est un tonneau qui roule là-bas. Ouais. Ah, il y a un véhicule propre là-bas qui m'attend. Oh! Des munitions aussi. Si j'ai besoin. Bon, j'étais censé atteindre un pylône radio pour prendre une mission, moi. Quelle aventure! Ouais, mon véhicule va exploser aussi, je présume. Ah, c'est un mini-véhicule, ça? Ah oui, il pourrait prendre feu. Mmh. Ah, ça m'a fait rire sur... Oui. Maintenant, Twitter X... X Twitter. C'est marrant quand même. Mmh. Il y a quand même... Ah oui. C'est parce que Caroline de Planète de Caro avait, tu sais qu'elle met des photos des fois un peu de l'amour. Mmh. Et dans son commentaire, il y a laisse rentrer le soleil. Mais pas trop. Mais une très jolie photo d'ailleurs. Mmh. Et il y a un mec qui dit je rentrerai autre chose moi. Et là, il y a son mec qui est intervenu, il a fait je ne pense pas. Ça m'a fait marrer. Eh ben. Oui, parce qu'il est venu dans la conversation, monsieur Sam. Sam, mmh. La ville. Ouais. Non, mais bon, bah. Ah, oui, il découvre sa femme, monsieur. Mmh, oui, non, mais bon, moi, c'est ce que j'appelle un trop plein de testostérone. Aïe. Je l'ai rencontré, et enfin rencontré sur Twitch, hein, bien sûr. Oui. Je l'aime bien. Mmh. Il est honnêtement, il est différent des autres streamers. Il fait pas spécialement du gaming, mais même au niveau de sa pensée, il y a quelque chose de différent. Mmh.
T'aimes bien dans notre dimension. Je sais pas si tu es déjà allé le voir. Je crois pas, je m'en souviens pas. Premier réflexe, il fait l'inspection de ton pseudo. Il dit, ah, ton pseudo, il est comme ça, ça veut dire que tu es peut-être un homme, tu es peut-être une femme, tu es de telle région et tu as tel âge. Direct. Mmh. Il y a des gens qui n'ont pas, ils se cassent direct. Bon, moi, il n'a pas eu de difficulté à retrouver mon ami. Mais j'ai venu de ce je suis allé le voir un peu plus tard avec Yo-Yo Jospin. Non. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a fait un profil complètement différent du mien. Donc, après, je lui ai avoué que c'était mon poste secondaire. C'est juste pour tester ses capacités de déduction. Mmh. Mais c'est marrant, quoi. Effectivement. Il m'a fait 11. Tu as 11 ans. Je fais non, 11, c'est l'héros. aïe. Je lui ai dit que c'était le département. Mmh. Je fais ma mission exécution et puis je vous laisserai là pour ce soir hein, parce que j'ai au dodo. Donc, je pense que je reste encore 20 minutes à l'antenne et puis je serai un relais de chaîne à je sais pas qui. Ah, j'adore la physique du jeu, on fait du foot avec les barils vides. Ouh, c'est rigolo. Direction de la capitale. Attends, j'ai un doute. J'avais pris une mission. Ils avaient pas une autre boîte de mission. La radio n'a pas de discours politique. Ouais, bon, allez, je suis pas là pour planer dans un club de vacances. Je me barre. Je vais pas refaire la guerre du bureau de poste. Une fois ça va, mais pas. Hein. Oh là 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 là. Bon, bah je vais improviser un autre itinéraire, moi, du coup. Ah, ouais, mais lequel? Mais je suis un ego. J'aurais dû penser aux voies maritimes. C'est par voie fluviale que je vais me rendre dans la ville centrale. Il est où leur navire à la noix, là? Il est où le quai? Il était là-bas. Mais oui, ce sera totalement différent, ça va nous dépayser, un bonheur. Allez, go! C'est ça que j'aurais dû faire dès le début. Ah! Oh. Je suis surpris de ne pas avoir de comité d'accueil. Ah, ça y est. Il fallait que je m'en plaigne pour qu'ils me disent bonjour. Attends, il est où le snipe? Donc, ça y est, j'ai fait ma suggestion à Hero. Je lui ai suggéré que pour le titre du live, il marque anniversaire de partenariat ou un truc comme ça. Ah oui, oui. Une bonne idée. Oh là 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 là, il y en a du monde.
où j'y vais au forcing, je passe sur la rivière à fond les ballons, mais je vais essuyer des tirs de balles, hein, c'est obligé. Hein. Ils vont me saucer, des Mickey. Terrible dilemme. Oh, bravo. Ils sont tirés dessus une nouvelle fois. Oh, il est tout. Mais... Ah oui, finalement, j'arrive à passer en évitant leur tir. Incroyable, mais vrai. Je m'attendais à me faire plus saucer que ça, mais... Bon, bah cool. Reste droite, voilà, il y a des balles qui sifflent. Oh, le vol incroyable, la navigation se passe finalement sans encombrement. Le port de la capitale comme ici. Non, il est beaucoup loin. Ah, ils s'excitent, je les entends gueuler sur la rive. Merde, je crois que mon moteur est en train de flamber. Aller au casino. Ouais. Je vais surtout jouer de la clé à molette. Ça va, une fumée que blanc. Parce que je rappelle qu'une fumée noire, ça commence à être dangereux, puisqu'au bout de quelques secondes, ça peut s'embraser et boum. Le truc pas agréable du tout. Alors attends, je suis où? C'est pas la capitaine? Ah si. Ah merde, je suis pas passé par là où il fallait, c'est pas grave. On va se faire une variante et une petite prolongation de promenade fluviale. Oh la vache, regardez-moi ces ponts. Ah, Aerostar a changé de pied, puisqu'il y en a qui sont partis dans le village là. Une jolie, là, c'est un petit pavé. N'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose de plus important. À tout le monde, et nous voilà. Mais merci général aux personnes dans le salon blabla. Après m'être un peu reposé et être redépendu en question, j'ai décidé de continuer Edel Ring en live. Mais en plus, mes modos auront carte blanche pour supprimer le moindre message qui sera de l'ombre d'un backstreet. Quant aux personnes irrespectueuses, il sera. Théo ou Ban? Ah oui, Théo pour time out, c'est-à-dire un bâtissement vraiment temporaire de quelques minutes, histoire de calmer des esprits, ouais. Oui. Et sans consommation. Si mes modos décident d'un truc, ils auront quoi qu'il arrive mon aval. J'ai entièrement confiance en eux. Et maintenant, comme Edel Ring, je vais le finir car je l'ai commencé. Mais surtout, ne vous méprenez pas, ce jeu n'est pas fait pour moi, il est très imparfait, objectivement parlant. Ne vous attendez donc pas que d'un coup, j'aime le jeu en mode révélation mystique. Je continue à râler. Probablement sur les roulades qui ne passent pas car c'est un fait. Donc, vous êtes prévenus. Il y a peu de chances que mon avis change car le jeu est un
hybride, c'est bizarre. Un patchwork qui dépasse mon entendement personnel, et c'est pas prêt de changer. La question qui fera que les lives se passeront bien ou mal, c'est les viewers. Accepteront-ils que je critique le sacro-saint Elden Ring, la suite au prochain épisode? Mais pour Elden Ring, je serai du coup très différent de ce que je suis sur les autres jeux, puisque je m'y contrains. Bonne nuit à tous. Ah oui, à ce point. Mon avis, entre ceux qui doivent lui donner des explications et les fanboys du jeu, ça doit être pas facile. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des big fans de ce jeu-là. Attention, je ne passe qu'une relique. Une petite fléchette anesthésiante en pleine tête. Mission terminée. Tranquille. J'ai plus qu'à me retourner. Alors, soit je vais à l'armurerie faire le plein, mais j'ai besoin. Je vais retourner au centre de la ville faire l'activation d'une mission. Et en fonction de la localisation de l'intitulé, mais je pense qu'il y a une forte probabilité que je m'arrête d'ici quelques minutes. À moins que ce soit vraiment une mission facile à quelques minutes, on va dire, de déplacement dans le jeu. Mais là, contrat propre. Un tir, tic, plus de cible, au revoir. Le professionnel. Les autres se sont doutés de rien. Comme mon fusil hypodermique n'émet quasiment pas de bruit. Les autres, ils ont rien vu. C'est énorme. Oh, ce soleil. Bon, j'ai quoi? Ouais, un camp ou l'autre. Il y en avait une avec des sortes énormes. Garde tes histoires pour ton blog, ok? J'ai pas le temps, là. Bien. Pas d'armes, allez, bras écartés. Ah, la petite fouille réglementaire. Ah oui. Ça s'est tellement mal passé, je suis en train de lire son live. Il voulait mettre le chat en mode emote. Ouais. Ah ouais, donc je pense pas que c'est. Enfin, je pense qu'il déteste le jeu, mais vu les réactions, ça fait qu'il le déteste encore plus. Malheureusement, ouais. Mais tu l'avais bien lu, il aime pas la commu associée au jeu. Personne n'est en sécurité, même pas moi. Ça faisait longtemps. Le Major et moi nous demandions comment régler le problème. C'est un jeu difficile. Les propagandes sont impressionnantes dans ce film. Ouais, je sais, elle est facile. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est, pour m'être frotté un peu avec eux, station. Alors pas sur ce jeu-là, un émetteur mobile. Pas encore, c'est comme ça qu'ils ont échappé à nos soldats. Sorti. Mais à 9h ce matin, c'est que à l'époque, Julien Chiez avait fait une polémique en disant qu'il faut mettre des difficultés à tous les jeux vidéo. Je sais qu'il s'agit d'une mission ici, moi je suis pour que chacun puisse avoir la difficulté qu'il veut. Et c'est assez simple. Bon, on va revenir sur le débat là-dessus. Mais c'est vrai que ces gens-là qui venaient des Dark Souls, des Elden Ring et tout. Un paiement est prévu, bien sûr. Mettez l'émetteur HS en détruisant le générateur. Rappelez-vous, ils sont à Ben, c'est vrai qu'ils m'avaient pas mal envoyé chier en disant non, le jeu est comme ça, faut pas le bouger, c'est un totem. Tu joues même pas à nos jeux, qu'est-ce que t'as à dire? Enfin, ils m'avaient vraiment. Je me suis embrouillé avec quelqu'un. Nous ne voulons pas perdre un bon élément. C'était assez violent à dire ben non. Toi, tu connais rien, tu joues pas à ce jeu, est-ce que tu veux nous imposer tes difficultés? T'es un gros noob, il faut que tu t'entraînes, c'est à toi être au niveau, c'est pas à eux à s'adapter. Par rapport à la poste, c'est de l'autre côté de la rivière. Laisse-moi jouer comme ça, reste sur tes jeux à toi facile et puis point barre. Mais il n'y a pas qu'à moi, mais c'est vrai que cette commu vraiment de ces jeux difficiles, alors
ils ne le sont pas tous, et j'espère qu'ils sont minoritaires, quand elle veut faire du bruit, elle peut vraiment être très, très violente. Mmh. C'est vraiment, pour eux, c'est leur sacré saint, pas touche. Mmh. Ouais, soupir. Alors, c'est quoi les... Oh la vache. La cible bleue est proche, mais pas la rouge. Ah, retrouver la miss. Bah, là où j'étais, en fait. La bonne veille. Bon, après, dans la communauté des Souls, il y en a qui sont sympas. JJB, il en fait pas mal, il est adorable comme tout. Mmh. Monsieur Rachi, c'est pareil. Ange de Lumière, il en fait un petit peu, mais ça pas aussi, hein, mais s'il parle pas. Donc je les mets pas tous dans le même panier. Hein. Mmh. Comment ils ont fait le panier ? Ouais, des pousses sont... Mais non, je ne sais pas pâcher comme ça. Après, c'est vrai que leur communauté aussi est habituée à un certain truc. Ça passe pas aussi pour un héros. C'est vrai qu'eux, ils sont tellement dans des jeux qui sont considérés comme difficiles. Ils savent la réponse, ils savent que c'est un jeu de niche. Ils ont vraiment l'habitude d'être un peu à céder, à se donner des astuces, des machins, parce que... Mmh. Et chez eux, c'est un peu dans leur mentalité. Comme Aero, lui, ne veut pas d'aide du tout, c'est pour ça que ça passe pas aussi. Mmh. Eux, c'est dans leur mentalité. Oh! Oh! Une belle balle de snipe! Je me suis fait, mais alors, liquider en toute beauté. Eh ben. Comment c'est possible? Bah. Comment j'ai pu être me faire abattre alors qu'il y a mon bloc moteur qui me sépare du tireur? Grosse surprise, là le jeu il me...
Ouais, c'est... bon là j'ai pas bougé et ça passait, mais c'était pour voir. Dommage. J'aurais tellement aimé le surprendre pour le quick. Ça aurait été classe, mais c'est difficile. Évidemment, quand l'ennemi est aussi alerte que ça. Oh, dommage! Mort ex aequo. Hop, voilà, là il n'a pas eu le temps. Ah, il va être bouffé par les flammes. Hein. Forcément. Il y a un snipe de mes deux qui me bouffe. Elle est pas loin la miss, je peux suivre la rive et me barrer. Enfin, si le relief m'empêche pas, merci. Ah, j'étais parti pour tomber dans la rivière. Elle est par là-bas la miss. J'en ai marre de toute cette guerre, j'arrête. Oh là, c'est beau. J'adore cette ambiance. Bon, elle va voir la tremblotte. Merci d'être venu. Alors tu vas détruire Radio Libération. Tant mieux. Mais je voudrais que la radio émette encore un tout petit peu plus longtemps. S'il te plaît, vas-y. Et trouve l'homme qui surveille les émissions. C'est le censeur de l'UFLL. Je veux que tu le tues. Oui, si elle pouvait développer son idée. Ensuite, quand tu vas à la station de radio, fais-leur lire cette annonce. Après, tu pourras détruire la station si ça te chante. Ah. L'annonce va déclencher une émeute. C'est le but. Il faut que quelqu'un soit tué. Et en public. C'est un étranger qui visite les cliniques. Un invité de l'UFLL. Mbantoué va perdre sa crédibilité quand mon message va passer. Et que les gens vont lyncher son invité. Il verra alors qu'il vaut mieux éviter de m'avoir comme ennemi. Ah, elle veut faire monter sa réputation, elle. Y a qu'un hic. Je serai chauffeur pour cet étranger. Donc je serai en plein milieu du danger au début de l'attaque. J'espère que je pourrai compter sur ton aide. Oh, elle est dure, elle. Elle aussi, elle est Rambo style. Ouais, elle essaye de capter, là. Oh la vache. Ah, bon. Oh. Ah non. Non, non. Soit aller au club de vacances et tuer le ministre, soit détruire le générateur qui alimente. Oh la vache. Alors, détails de la mission, je les relirai la prochaine fois que on va s'arrêter là. La PR veut réduire au silence la station de radio de l'UFL. Je dois détruire l'équipement de diffusion mobile près du village de pêche abandonné à Ouelegol. Nesri Davar, donc ma coéquipière là, Miss Rambo, m'a parlé du ministre de la propagande de l'UFL en club de vacances. Son travail consiste à surveiller les émissions de radio. Il est toujours prêt à arrêter la diffusion avec son interrupteur. Et la Miss aimerait... que je liquide le ministre qui puisse pas interrompre le... C'est une maline. Elle est bien renseignée. Ça se tient. La mission me plaît beaucoup, mais ça, ce sera au prochain épisode. Bon, pour parler brièvement de Elden Ring et des soucis là liés au jeu que le pauvre héros subit sur son antenne. Alors, moi, je vous Elden Ring, vous ne me verrez jamais y jouer. Parce que le jeu, il ne me plaît pas du tout. De ce que j'ai vu. Mais en plus de constater que il y a des énergumènes dans la commu qui pourrit l'expérience de jeu en direct. Bref, c'est le genre de truc qui me sort par les trous de nez. Ah là 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 là. Enfin bon, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci FunFan pour la modération. Bah, bonne soirée à tous. À demain. Ouais, on se retrouve demain.
Bah, vous passez quand vous voulez, hein, le programme vous le connaissez, demain matin c'est du Final Fantasy. L'après-midi, je vais possiblement démarrer sur un petit peu de Spen Lucky, pour changer un peu, j'y prends goût en ce moment. Après Spen Lucky, je vais continuer mon Arc Fatalix, la sacrée histoire. À mon avis, il faudra que je fouille mieux les lieux et que j'interroge tout le monde. Parce qu'il y en a, je me suis refusé à bavarder avec eux et je pense que j'ai tort. Parce que il y en a qui doivent me cacher des trucs. Et j'enquête sur un vol, en fait, d'une relique. Enfin, on verra ça demain. Bon, ça, c'est Ars Fatalis. Et je pense, vers les 18h demain, continuer Portal 2, mon histoire solo. Et je bouclerai mon antenne vers les 20h avec le tableau mystère. Et là, sûr, je ne ferai pas de soirée. J'irai pas au-delà de 20h pour diffuser comme je l'ai fait ce soir. Oh non, c'était l'exception. Voilà, parce que je vais avoir une semaine chargée. D'ailleurs, je te reprécise, je te le dis en direct, fan, hein, tu me verras quasiment pas la semaine prochaine. Je sais même pas si j'aurai le temps de te faire un coucou sur tes directs. J'espère que le baron pourra être là pour t'appuyer en modération. Mais en général, t'es peinard. Heureusement, t'es loin d'avoir les pépins que rencontre le pauvre Aeroster. Ah là là. Et pour le week-end prochain, il y aura un live ou... Alors, pour le moment, je ne suis engagé dans aucune date privée, je veux dire, de rendez-vous. Tous mes week-ends, pour moi, du mois de septembre, dans l'immédiat, c'est Twitch. Twitch tout le mois de septembre. Mais, je devrais, théoriquement, avoir deux absences de deux week-ends où je serai absent. En théorie, j'ai aucune date de poser là, comme on est la fin août. Donc, voilà. Qui vivra verra. Allez, qui c'est qui est en ligne à cette heure-ci ? Non, mince, ça c'est mes propres ralentis de ma chaîne. Qui c'est que je vois ? Ouais, on voit qu'il se fait tard, il n'y a plus grand monde en ligne. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On met en lumière Torota. Bon, Boson, j'ai déjà fait ce week-end. Ou alors il y a Malice. Malice qui parle de faits divers ou de criminologie. Comme tu le souhaites. On n'est pas beaucoup, j'allais dire Malice, vous la connaissez déjà. Allez, pour le soutien, puis que je lui ai pas fait coucou depuis longtemps, je vais symboliquement aller voir Torota. Allez, le petit Torota 77. Oui, attention, là j'étais sur ton chat par rapport à tout à l'heure, faut que je revienne sur le mien. Et ben bonne nuit les copains, merci pour tout et à demain. Le dodo va faire du bien. Oh, je vais me faire une bonne douche avant de me pioter. Ça me fait un bien fou. Allons. Voilà. Et puis encore GG pour ton Fox, je sais plus comment, là, de tout à l'heure. C'était rafraîchissant. Il était bien, le dessin animé interactif. Voilà. J'ai bien aimé. C'est rigolo comme tout. Allez, Zou, on file chez Torota. Tout de go. Je vais faire un petit bonjour symbolique rapide, lui dire bonne nuit, et puis... Je vais tout couper. Oh, et merci, le sage de Nancy. Oui, ben, un petit relais de chaîne de rien du tout. Relais de chaîne, et bienvenue ici. Bonsoir, Torota, bonsoir tout le monde. Oh, un petit relais de rien du tout. J'ai plus personne à cette heure-ci. Oh, mais Twitch qui me nique mon message. Non, mais ça va pas, non? Oh, j'ai fait une Suzy qui m'a été niquée par un bandon d'information de Twitch. Naze. Je recommence tout, pardon. Ça m'agace, ce genre de truc à la noix. Bonsoir Torota, bonsoir tout le monde.
Donc je disais relais de chaîne. Allez, on recommence. Relais de chaîne de rien du tout, car j'ai plus personne à cette heure tardive. Relais de chaîne de rien du tout, car j'ai plus personne à cette heure. Ah, j'en pleure tellement que je suis fatigué là. Du coup, ça. Ouais, hop, ouais, tout de suite, psychologiquement, de savoir que je suis déconnecté, je veux m'endormir. Donc je t'en remercie, le sage, ça fait très plaisir quand même, merci beaucoup. Ah bah il y a eu Yukine, bonsoir Yukine. Par contre lui, je lui ai mis 0 de dégâts. Pourquoi je l'entends faiblement, Torota? C'est moi ou il diffuse très faiblement? Alors que j'avais un viseur sur lui. Ah oui, des fois c'est vrai qu'il est... Ah moi, est-ce que j'ai plus... Ah oui, moi aussi je l'entends très faiblement. Je sais pas, il a changé ses règles, ses réglages son, ou il y a une mise à jour Windows qui a tout fait sauter. Effectivement. Je sais pas quand il joue à...